Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du LP Minecraft, l'épisode numéro 54. On se retrouve aujourd'hui pour aller fabriquer une petite usine, une petite ferme à nourriture, parce que le poulet c'est sympa, mais bon l'idéal ça reste quand même la carotte dorée, n'est-ce pas? Et donc bon bah de l'or c'est facile, hein, on en a à foison dans le Nether, mais pour les carottes, eh bien on va installer une petite usine où on va exploiter des villageois, hein, des petits paysans qui vont donc récolter de la nourriture et en voulant les envoyer à leurs petits copains qui aura faim derrière des minecarts hopper empilés, et ben quand il voudra lui donner de la nourriture, ce sera directement taxé par nos soins et on récupérera la nourriture pendant que les gars ils bossent à fond, à fond, à fond, à fond. Donc ça va être par ici, je vais la faire par ici, là. Elle va être un petit peu en hauteur, en fait, puisque j'ai commencé à réfléchir à l'habillage pour après, hein, parce que vous verrez, ça ressemble, ça va ressembler un petit peu à l'usine à Creeper, en termes de forme. Donc voilà, bon, je vais attaquer... alors est-ce que je fais un étage, plusieurs étages, un étage j'explique, je finis après, je sais pas trop. Ouais, je vais peut-être faire un petit timelapse avec tous les étages. Alors je vais peut-être pas les faire tous d'un coup, je pense que deux étages suffiront, mais on verra si je suis chaud, peut-être j'en ferai un petit peu plus. Donc je vous laisse avec le timelapse. Et on se retrouve ensemble après ce que j'imagine avoir été un magnifique timelapse. Puisque pour le moment, il n'y a rien qui a été fait au niveau de ce côté-là. Donc, comment on va faire? Bon, on va rentrer, ici. On va rentrer là comme ça. Hop. Hop. Ça passe. Voici, alors on va peut-être enlever les shaders pour là, ouais, on va les enlever. Hein. Voilà, ah, comme ça c'est plus pratique. Donc ici, toute cette zone correspond à ce que un fermier peut exploiter, hein, grosso modo quoi. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il est censé faire un rayon de 10 grosso modo, mais là voilà, c'est bien suffisant. Donc on a quelques petites sources dans les coins ici pour que tout soit bien mouillé. Là-dessous, il y a de la lumière avec... Alors là, on voit pas... On va aller plus bas. Ouais. Je sais pas trop comment je... Ouais, si je repasserai pour là, pour remonter. Oui, voilà. Ici, on a de la lumière grâce aux pickles qui sont au-dessus. Ah, voilà, donc ça fait de la lumière dans cette zone. Là, ici, on a de la lumière autour. Donc normalement, toutes les... Si on fait F7, voilà, on a aucune zone en fait qui est dans le noir. Donc même s'ils peuvent pas spawn sur de la comment ça s'appelle, sur de la farmland, on est sûr au moins que toutes les pousseront.
Ouais, je sais pas, c'est pas très joli tout ça, mais. Hop. Ok. Hop. Hop. Ouais, c'est bon, ça va le faire. On va revenir ici pour l'instant. Donc, nos amis les villageois. Alors, il manque des hoppers. Ici, il y a un hopper au-dessus. Et donc, ici, on va avoir d'un côté un villageois qui crèvera la dalle, ici. Et un autre villageois ici qui se gavera comme un gros sale, hein, puisqu'il va en bouffer de la carotte. Et entre les deux, ici, là, on va avoir des minecarts hopper. Alors, je sais pas si du coup j'ai pas mis ça trop tôt. Je me dis que ça peut passer. Si je fais d'en haut, que je casse, boum, ça tombe. Ensuite, je fais un autre étage, etc., etc. Bon, bref, ça va être un tout petit peu compliqué. Alors, ce que je vais essayer de faire, parce que la question que je me suis pas encore posée, ou plutôt à laquelle j'ai pas encore vraiment cherché de réponse, c'est de savoir comment je fais pour mettre un bonhomme ici. Alors, à la limite, ici, je fais un portail là, j'en fais venir un, je le fais tomber au-dessous, 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 puis une fois qu'il est en bas, je ferme, et puis je recommence. Ouais, ok, ça c'est jouable. Maintenant, c'est ceux qui vont se retrouver ici, là, de ce côté. Il va falloir qu'à chaque étage, je vienne faire un portail derrière, là, et que je fasse un petit chemin. Ouais, c'est sûr. Donc, ici, je pense que je peux commencer à mettre les minecart hopper. Mais alors, j'ai pris des minecart hopper, mais j'ai pas pris de rail. Ça, c'est ballot. Bon, et ben, je reviens avec des rails et on reprend. Ok, donc, si j'ouvre de partout. Ouais. Encore un peu. Je vais pas. Ah, mince. Ouais. Et là au-dessous il manque quelque chose. Ah oui, bah oui. Oui. Et là il manque le minecart hopper. Il va falloir que je fasse le système de dessous avant de continuer. Il faut que je fasse le système de dessous. Bon. Ah, punaise. Polio. Ouais, faut que je fasse le système au-dessous, là. Il n'y a rien de compliqué. Je vais m'en occuper vite fait. Il faut quelques hoppers, blocs de fer. Bon, on va pas refaire ça ensemble, parce que sinon après, ça va durer encore. Punaise, mais... Allez, je m'occupe du système du dessous, et on se retrouve après. Et voilà, j'ai fait donc le système, on va pas bien le voir, mais c'est un dropper, le classique, hein, le dropper, le comment ça s'appelle, le comparateur, ça envoie un signal, ça expulse les items, et là en fait, on les expulse directement dans le vide. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Il y a une explication, mais l'explication, vous l'aurez au prochain épisode. Vous saurez pourquoi j'ai prévu de faire ça comme ça. Donc, tout va arriver à cet endroit-là. Hop, on passe par là. Ensuite, on passe par là. On tombe ici. Magnifique, voilà. Donc, on va commencer à mettre des minecart hopper ici. Donc, je suis descendu pour rien, techniquement. Voilà, donc c'est magnifique. Hop. Bon, ça là, pour pas oublier. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc, c'est exactement ici. Est-ce qu'on peut directement foutre le rail là-dessus? Après, le truc, c'est que j'aimerais bien récupérer le rail. Hop. Ouais. Hop. Ouais, pas mal. Bon, du coup, on va virer ça. Oula. Et là. On va virer ça aussi. Ok. Au revoir, le rail. Il est tombé dans l'hopper en bas, puis il a été éjecté. Et. Et bah, ça, voilà. Ah non, c'est bon. Ouf. Bon, mais en attendant, du coup, ça, c'est pas concluant. Donc, faut s'en débarrasser. Trop bien. Allez. Donc, on recommence. J'ai pas pris ma hache. Impeccable, elle est là-haut.
Nickel. Allez, j'enlève tout ça. J'aurais dû m'en douter en plus. Je suis trop un poulet. Bon, attention, normalement. Ok, magnifique. Magnifique. Je sais pas, est-ce que j'ai récupéré je devrais en avoir 5, il me semble. Là, j'en ai qu'un. K4, pardon. Ah non, l'autre. Ah non. Il va y en avoir un là. Ensuite, aussi le hopper. Un là, ensuite un hopper. Un là, ensuite un hopper. Un là, ensuite un hopper. Et j'ai pas compté. Ah. Il semblerait que j'ai pas dormi depuis très longtemps. Bon, je vais dormir et je reprends le lancer de minecart. Hop. Un autre minecart. Tac. Est-ce que je peux comme un vislard? Ouais. Le rail, il a dû tomber là-bas. Et là, il est en train d'être expulsé. Ouais, c'est le fail à gogo. Bon, je vais me prendre un petit stack, hein. Allez, on recommence. Ok, donc dans tous les cas, j'en ai mis deux. Et normalement, là, faut que je mette une prousse. Une prousse. Trapdoor ici. Et le hopper ici. Là, ici. Pop. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc là, on aura notre ami qui sera. Oh non, je l'ai refait. Oh, j'en peux plus de moi ce soir. Ouais, impeccable. Bon, je vais continuer tout le reste tranquillou, hein. Et puis on se retrouve après. Ça sert à rien de montrer tout le fail scandaleux que je vais enchaîner pendant la prochaine demi-heure. Et voilà. J'ai fait pas mal d'actes de polio désespérés. Voilà. Donc ici c'est bon, donc on doit avoir un copain ici. Ici là, comme ça là, qui va être là. J'ai faim. Donc ici il y aura la cloche derrière. C'est ok. Donc l'autre là-bas il va récolter. Puis il y aura l'ordre d'aller à la cloche. Donc il va se dire ouais super, je vais à la cloche. Il va venir à la cloche. Il va voir son poteau qui va le faire. Vas-y s'il te plaît, file-moi un peu de bouffe, putain, je crève la dalle. Tu vas avoir pitié. Il va juste voir ses yeux là au milieu. Il va faire ok, c'est bon. Allez tiens, prends ça. Et hop, récupérer pour bébé. Hop, à tous les étages. Voilà. Donc là maintenant, prochaine étape, se ramener des petits villageois. Donc je vais faire un petit portail en haut. Enfin en haut. Ouais, si. On va passer par au-dessus, mais. On va faire un petit portail ici, là, au-dessous. Par où je passe. Tac. Tac. Hop. Voilà. Tac, tac. Je peux monter, je peux descendre. Donc on va se faire un petit portail ici, là. Ils pourront pas sortir de toute façon, aller de ce côté. Donc ça, c'est bon. Et puis, je ferai des petits trous pour les faire descendre à chaque étage. Et puis après, moi, je remonterai. Et puis voilà. Donc, à voir, quoi. Je vous ferai peut-être la sortie d'un. On verra. Je vais déjà commencer à monter un petit peu ce qui a été fait là, parce que ça se trouve ça fait déjà pas mal de temps, et donc on se retrouvera une fois que tous les villageois de ce côté seront en place. A tout de suite. Et on se retrouve ensemble. Alors, il s'est passé pas mal de temps, j'ai fait quelques petits allers-retours, j'ai dû faire en sorte que les villageois se reproduisent à nouveau, puisque je voulais absolument des enfants, pour être sûr qu'ils ne ramènent pas de la patate. Parce que dans mes grinders, ils ont tous, ils se distribuent de la patate. Et je voulais pas qu'il y en ait qui me plantent de la patate. Donc là, il y en a 4 qui sont partis dans le système. Et lui, il y a qui attend un petit peu. Parce que, bah voilà, le cooldown est passé. Puisqu'on peut pas les envoyer tout de suite d'un portail à un autre. Il y a un petit cooldown. Et ça se reset pas quand ils sont dans un bateau.
Allez. Va-t'en. Ouais, j'aurais pu l'éteindre peut-être. Puisque de toute façon. Prochain passage, ce sera pour mettre les 5 autres qui sont en face. Donc. Alors. On va regarder ça. Ah, c'était ici. Zut. Je l'enlève parce qu'il y en a un, il allait faire le funambule. Ça m'a un petit peu créé de l'angoisse. Alors, donc on a le petit ici. Ici, on en a un. Bah tiens, il est adulte maintenant. Ah ouais, c'est ici qu'il y a encore petit, les autres ont le temps de grandir. Hop, un autre. Et enfin, le dernier ici. Donc, bah tiens, on va essayer de passer par là. Hop. Salut mon gars. Non, tu t'as pas le droit d'y aller, toi. Allez, on va te créer de la terre cultivable. Et puis après, ben je reprépare le système pour les emmener de l'autre côté là, qui viennent se mettre ici. Ça va être un petit peu plus chiant, il faudra redescendre à chaque fois, mais ça va le faire aussi. Allez, c'est parti. Je m'occupe de leur donner de quoi travailler, de ramener les autres, et on se retrouve pour la fin de l'épisode, je pense. Ok, maintenant que tous nos amis ont été placés, que j'ai posé quelques petites plantations, ils ont commencé à bosser tout ça. Enfin là, ils bossent pas parce qu'il fait nuit, mais... Donc pour rappel, ça les empêche en fait de passer de l'autre côté. Alors évidemment, moi j'y arrive, mais pas eux, ils sont un peu plus grands. D'ailleurs, c'est bizarre que j'y arrive. Ah oui. Un petit peu moins de haut. Bon, j'espère que l'outil reviendra pour pousser. En tout cas, ils pourront pas plus pousser puisque ils vont s'arrêter ici. Donc là, j'ai fait une petite cage. Hein, et puis, allez, je tente de ramener un copain pour lui. Et voilà, c'est le dernier. On va falloir attendre un petit peu, évidemment, mais c'est lui, c'est le dernier, c'est le cinquième des mendiants. On va s'appeler comme ça. Bon allez, on va accélérer le temps. Et voilà. Allez, c'est parti. Hop, on va le pousser un petit peu. Hop. Ah, mon petit, faut y aller maintenant. Donc comme on le voit ici, tous les autres ont leur place, hein, donc ouais, j'ai mis un portail, je l'ai fait en deux fois, un coup en haut les deux premiers étages, un coup ici là, hop, escalier ici, escalier là, et puis escalier pour descendre ici, il me reste une cloche et un de verre, allez, il faut y aller mon petit gars, ouais, je sais, c'est pas bien grand, mais regarde, il y a un copain, il va te donner à manger. Eh ouais, t'as faim. Dis pas que t'as pas faim. Je le sais que t'as faim. T'as une tête de dalleux. Hop. Oh, t'es une teigne, toi. C'est pas vrai. Allez. Eh ben voilà, c'est pas trop tôt. Hop. Ah, ça y est, c'est bon. On peut plus s'enfuir. Bing. Et voilà. Donc à tous les étages, on a nos copains qui récoltent. Voilà, hop. Qui ensuite vont replanter. Et donc, ils vont amener ça à nos amis ici présents. Et ce sera intercepté à chaque fois, à coup sûr, à 100%. Aucun doute là-dessus. Magnifique. Bon, eh bien, c'est parfait. C'était pas si compliqué que ça de les ramener. Je m'étais... un petit peu inquiété pour rien, on va dire. Non, ça va, c'était pas si chiant que ça. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit épisode. Oula. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en admirant le travail de mon ami Sekiop. Et puis, bah, d'ici le prochain épisode, amusez-vous bien. À ciao, bye bye.